Salut tout le monde, aujourd'hui on va simplement jouer à Resident Evil 0 remasterisé. C'est parti! Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la difficulté facile, histoire de, on va dire, découvrir le jeu, malgré que j'ai déjà fait il y a longtemps, vraiment, vraiment longtemps. C'était sur l'ancienne version, mais c'était il y a quelques années déjà, je me rappelle plus vraiment. J'ai jamais vraiment joué au zéro quoi, et donc du coup on va commencer en facile, tranquillou, et puis après on mettra certainement en difficile, histoire de délirer un petit peu, et puis de voir si on peut le terminer en difficile, voilà. Donc on commence. Zero. Voilà, donc large, normal, remake, oui. Sous-titres, bien entendu, bon bah voilà, nickel. Donc, je vais voir un truc. A midwestern town in America, Raccoon City, a solitary island. Une île isolée, éloignée de côté, ouais. Rockford Island, une île qui allait devenir une seconde Raccoon City. China Island. Ces événements tragiques qui semblent a priori. Ah, tu vas trop vite! Suscite toujours de nombreuses questions. Certains pensent que la multinationale Umbrella est impliquée dans cette affaire. On ignore cependant comment cette organisation sans visage a vu le jour. Quand elle a été fondée par qui, je sais pas quoi, là, j'ai du mal. Comment le virus T a-t-il été créé? Le seul moyen de faire lumière de ces événements est de revenir au tout début avant l'accident du manoir. C'est-à-dire au moment où il y avait Wesker et tout. 23 juillet 1998. Forêt de Raccoon City. Ça, ça veut dire oui. Ça veut dire ouais. Je veux dire oui, ouais, qu'est-ce que tu veux. Enfin bon, c'est tout ce que je peux te dire. C'est déjà bien. Il paraît que c'est le boss final. Stars. Deux heures plus tard, au-dessus de Raccoon City. Raccoon Forest, c'est pas pareil. Étrange commis dans un banlieue de... Okay, d'accord. Rien n'aurait pu préparer le cauchemar que nous allons vivre. Nous n'avions aucune chance. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Panne de moteur, atterrissage d'urgence. Ah putain. Vérifiez notre position et fouillez les zones. Capitaine, regardez! Un mollusque géant! Ils sont moches. J'ai mal au ventre. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'arrête. Ah, prisonnier. Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 ans, jugé en cour martiale et condamné à mort le 22 juillet. Le prisonnier doit être transféré à la base de Regarton pour y être exécuté. Ces pauvres soldats, des hommes bien qui faisaient leur boulot, mais c'est pas eux, c'est pas lui qui les a tués. Bon, écoutez bien, on va séparer et fouiller la zone. L'individu est brutal et sans pitié. Pff, c'est sérieux. Restez vigilants. Tu parles, on va le dresser, nous. on va mettre notre baguette devant lui, on va faire « Ouh, toi, je te dresse !» Avec une baguette, ouais. Ah, t'as vu ça un petit peu?
À la force d'une baguette. Qui peut tirer des balles, mais ça, après, c'est autre chose. Bon, alors, du coup... ouais, c'est plus un pistolet qu'autre chose. Ah bah, c'est sûr, tu as un pistolet devant toi, forcément. Bah oui, un train, bah oui. Un train qui vient de se dérailler, donc oui, il y a un train, oui. T'es pas au courant. D'ailleurs, il a même pas déraillé. C'est bizarre, ça. Vous entrez dans l'horreur. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Vas-y, regarde, je peux quitter. T'es le mec. Vas-y, regarde, je peux quitter. Elle est pas mal, ça. Ah, franchement. Bon, ouais, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas non plus trop traîner. On va se faire aller, je sais pas, une vingtaine de minutes de jeu. Donc on est déjà à 5 minutes de gameplay. Donc on va fouiller peut-être un petit peu. Attends, comment on fait déjà? Ok. Donc... on va voir un petit peu tout ce qu'il y a. Attends, j'ai... une gorge qui me gratte, là. Pouh. Bon. Du coup, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis l'officier Chamber. Chamber, d'accord. De l'équipe Stars, déclinez votre identité. Il y a quelqu'un? Bon, il y a un gros monstre, quoi. Une radio. Alors aujourd'hui, météo toute pourrie. Oh, fais gaffe. Vas-y, retourne-toi, il fout lui une patate dans ça. Vas-y, fout lui une patate, truc. Oula. Comment je fais, moi? Mais non, arrête les conneries. Arrête. C'est bon, je sais pas non plus. Ouais, c'est bon, ça passe. Oh, mais oui, c'est vrai, on est en facile. C'est tranquillou. Qu'est-ce que je te dis? Que s'est-il passé? Bah, tu viens de tirer sur des monstres. Je pensais que c'était. Je sais pas quoi. Mais j'ai pas le temps de lire aussi. Hein. Les bagages des passagers sont complètement éparpillés. Donc, on va tenter de. Je sais pas, on va monter, non? Bon, on verra bien. On fait comme on peut. Donc. Qu'est-ce que ça donne? Ok, une plante. Ah, il y a des trucs sur le côté là. Ça ressemble à je sais pas quoi, de liquide gluant, se former autour, d'accord. Ouais, bah on a une plante au pire, hein. On va prendre la plante, voilà, une petite plante. Donc, oula. Ah, je peux pas venir par ici, d'accord. Moi je me rappelle quand je venais ici avec mon ancienne carte graphique, donc avec la carte graphique de mon processeur, et bah ça laguait, voilà, ça laguait. Mais là, ça lag plus, là. Ah bah non, ça lag plus, t'es ouf, toi. Attends, t'es ouf avec ma nouvelle carte, là. Bon, ouais, c'est pas grave. On s'en fout, franchement, on va pas utiliser des balles pour rien. Non, dégage, t'es moche. Voilà, t'es moche, allez, dégage. Bon. Et franchement, ça passe bien avec les nouvelles commandes et tout, de Resident Evil et tout. Ça passe bien, tu vois. Ça passe bien, on est vraiment bien. Franchement, niveau qualité, y'a rien à dire. Ah, ça fait plaisir, ah, ça fait plaisir. Y'a quoi dedans? J'espère qu'il y a de la drogue, on pourra se droguer un petit peu. Non mais attends, t'as vu la situation, forcément tu te drogues. Ouais, même si t'aimes pas la drogue, tu te drogues forcément, tu vois. Vu la situation... Quoi? Il n'y a rien d'utilisable, d'accord, oui. Ouais, pourquoi pas. T'as ouvert au moins, enfin je sais pas, t'aurais pu ouvrir. Donc, munitions de pistolet, ouais, je pense que ça pourrait servir, on va juste voir un petit peu notre stock. Ok, d'accord, il faut mémoriser le stock. Bon, on va prendre ça, au moins ça sera fait. Ah, c'est lent l'interface, là. Allez, il faut se bouger un petit peu. Ah, c'est le problème. Il est pas fluide, l'interface, hein. Journal d'un passager, le 14 juillet, je sens que je vais pas tout lire. Le patron a donné l'ordre aujourd'hui. Apparemment, nous sommes chargés d'enquêter sur les ruines du laboratoire des montagnes à Arclay. Nous sommes divisés en deux groupes. Mon groupe, le premier des deux, va d'abord inspecter ce qu'il reste de l'expérience qui a été abandonnée le 16 juillet. Malheureusement, la production test de l'arme bio-organique type Y-139 a dû être interrompue en raison de l'enquête. Idem pour le type Y-139. Nous en savons encore si peu sur les réactions au virus T des crustacés. D'accord, carrément. Il reste tant de recherches passionnantes à mener. Ah ouais, c'est passionnant, effectivement. Selon les espèces... et les conditions d'élevage, des doses infirmes de T provoquent des changements remarquables en termes de taille, de résistance, de multiplication, de toxines et de développement cérébral.
Si ces effets pourraient être contrôlés, nous pourrions produire une arme prodigieuse. Mais carrément, le développement brutal de carapaces entraîne malheureusement une certaine fragilité. Certaines zones deviennent extrêmement vulnérables. C'est problématique, notamment pour la carapace qui protège la tête. Le labo où nous allons mener... Quoi ? Le labo où nous allons mener-t-il... Quoi ? Les mêmes recherches... Ah oui, le labo où nous allons, virgule, mener-t-il les mêmes recherches ? Il faut mettre une virgule, hein, sinon on comprend pas. Cela nous aiderait sûrement à trouver des données et des échantillons pour complémenter nos recherches. Le 19 juillet... Eh mais c'est long ! Le jour fatidique approche, je suis de plus en plus inquiet. Les journaux de Raccoon City et la télévision ne parlent que des étranges meurtres perpétrés dans les environs. Ça ne peut pas être le virus, si c'était le cas. Non, ce n'est pas le moment. Je dois me concentrer sur l'enquête et tout faire pour qu'elle se passe bien. Voilà, c'était long. Je pense que je vais arrêter de lire parce que c'est chiant. Non, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, c'est vrai que... Non, c'est pas intéressant, quoi, prof. C'est pas intéressant, t'es là, tu lis, attends, moi, je vous ouvre un livre et je vous le lis, hein, s'il faut, hein. Ça ira plus vite. Bon, Ouais, là, ici, non, on peut pas. Ok, verrouillé. Ah ouais, d'accord, mais là, je parie qu'on peut pas, hein, on n'a pas de carte ou quoi que ce soit. La porte va sans doute s'ouvrir. J'ai une bonne carte, d'accord. Ah, il y a un truc, là, il y a la carte, c'est ça? Non, dommage. Ouais, franchement, ça aurait été pas mal, non. Qu'est-ce que tu fais? Ah, d'accord. Ok. Attention, tu vas te faire tuer. Attention. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Belé? Lieutenant Cohen. Belé? Ah, vous savez qui je suis? Ça vous fait quelque chose de me rencontrer, non? Vous êtes le prisonnier qui était en cours de transfert pour être exécuté. Vous étiez avec le soldat, je sais plus qui. Je vois, vous appartenez aux Stars. Eh bien, vous... j'y arrive pas. Ne le prenez pas mal, mais vos petits camarades, je sais pas quoi, une dent contre moi. Notre petite discussion s'arrête donc ici. Attendez, vous êtes en état d'arrestation. Non, merci, petite, tu m'étonnes. J'ai déjà donné pour ce qui est des menottes. Je pourrais... je sais pas quoi. Oh, bon. Ah, des fois, c'est dur. Hein. Hey, conducteur. Oula. Tu peux pas m'aider, s'il te plaît? Ah non, j'ai cru que c'était un chien. Ça va, qu'est-ce qui s'est-il passé? Bah, je me suis fait défoncer. C'est pire que... On ne peut pas... Mais tu vas finir tes phrases, bordel. Fais attention, Rebecca. La forêt est pleine de zombies. Et des monstres. Des zombies et des monstres. Patate dans ta gueule. Ouh, ah bah t'as vu, là, il y a un chien, t'as vu? Il y a un chien. Eh non, mais attends. Bon, il peut pas m'aider l'autre là, parce que bon, c'est vrai que ça pourrait être pas mal quand même. Ah non, tu me touches pas, hein. Arrête tes conneries. Hein. C'est bon? Dis, viens, je te défonce. Mais non! Mais vas-y, mais pourquoi ça veut pas? Non, mais qu'est-ce que tu me fais là? Ouais, d'accord. Il est où le chien? Attends, mais... Ah, c'est toujours aussi la merde, hein. Mais arrête, toi, je m'en bats les steaks de cette porte, arrête. Oh, c'est pas possible, faut que j'aille rejoindre l'autre, là. Attends, on va ouvrir ça, peut-être. J'y suis déjà allé, là. C'était la même porte ou pas? Je sais plus. Ah non, c'était pas la même porte. Eh, bah, nickel. Ah, il n'y a rien d'utilisable, là. Ouais, de la sauvegarde, on s'en fout. Tiens, on va prendre ça. Nickel. À la limite, on va utiliser ça. Au moins, ça sera fait. Hop, utilise. Allez, vas-y, utilise. Et c'est bien, ça, au moins, on pourrait combiner avant de l'utiliser, c'est pas mal. Bon, alors. Directive d'enquête, tâche de sang, certaines parties sont invisibles. 8 millions de nord, je sais pas quoi, de montagne. Formation, ni. Note. De note, qu'on nie. Ils ont oublié le A, compagnie, mon gars. Il est fermé depuis des années. S. Quoi? Pourquoi S? Ah oui, le espace S. Ils ont mis un espace entre N et S, quoi. C'est stoppé. Nous... Tu vois, il manque un O, là. Mais nous menons actuellement. Il manque un E et tout, mais t'as tout fou. Ah, c'est peut-être parce que c'est lisible. C'est peut-être fait exprès, mais ouais. La première unité d'enquête est déjà sur place, machin. La suite est manquante et oui, lisible. Ouais.
Donc, jusque-là, je pense qu'on est plutôt bon. Voilà. J'ai au moins, je pense, j'ai au moins faire passer les textes quand même. Au moins que vous puissiez lire en mettant pause. On sait jamais si vraiment ça vous intéresse, mais franchement, j'ai la flemme de lire. Et puis, c'est surtout que c'est pas forcément très intéressant. Donc, voilà. Et je pense que il y a moyen qu'on retrouve l'autre là, et qu'on lui pète la gueule. On lui pète la gueule. Oula, toi tu vas pas me saouler, je suis en facile, je m'en bats les steaks, j'économise pas. J'économise pas mes balles. Bon. Ça c'est fait au moins. Ok, comment perdre du temps? Oh putain, je me suis explosé les yeux. Bon allez. C'est compliqué des fois, hein. C'est compliqué. Donc, c'est bon? Si les chargements pouvaient être un petit poil plus rapide quand même. Hein, c'est pas non plus un jeu qui fait 10 milliards de gigas. Donc bon, il n'y a pas grand chose à charger. Hein, j'ai envie de te dire, voilà. Évite de faire des chargements comme ça. De... Voilà, bon. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouh, bah voilà, nickel. Ici Rebecca, à vous. Rebecca, tu m'entends? Ici Waywingo. Where are you? Where are you? When we go. Allo, vous me recevez? Répondez. Rebecca, je te reçois. Écoute bien. Nous avons obtenu les renseignements détaillés sur le fugitif grâce... Ah non, mais j'ai pas eu le temps de dire aussi. Billy Cohen a tué 23 personnes. T'as vu les yeux? 23 personnes. Nous savons également qu'il était interné. Alors reste sur tes gardes. Le mec est complètement fou, il a été interné. Tu m'entends, Rebecca? Bah oui, elle t'entend. Sois prudente. N'hésitera pas une seconde à te tuer. Bah, moi je te dis que si. Enrico, capitaine, allô, allô. Bah, c'est la personne. C'est le personnage principal de elle. Donc, voilà. Et est-ce que pas de la tuer, hein? Bah non. Parce que le personnage principal qui meurt dès le début. Bon, alors du coup. Quoi? Vous avez utilisé la clé? Ah, yes, nickel. Besoin de. Ouais, bah oui, j'ai plus besoin. Oui, je veux l'acheter, oui. Elle me sert à rien, du coup, j'achète, hein. Voilà. Dans la poubelle, et puis voilà. Donc. Jusque-là, on est plutôt bien. Ça donne quoi? Ça donne quoi? Ouh, vidéo encore. Tu montes en haut, tu descends, qu'est-ce que tu fais? Ah, ah. Oula. Oh, il fait peur, lui. Enfin, il fait peur. Bon, les choses... Quoi? J'ai pas compris. On devrait faire équipe. Faire équipe avec vous? D'accord, je veux bien. C'est la merde ici. Alors, au cas où, le train de grouille de sa créature... Je n'ai aucune envie de laisser, je sais pas quoi, qu'on puisse s'en sortir en faisant équipe. Oui, bah, sans faire équipe. Enfin, oh là là, c'est chiant. Régler les problèmes seuls. Mm-hmm. Et ne m'appelez pas petite. Très bien, mademoiselle, je débrouille toute seule. Enfin, voilà. M'appelle Rebecca Chamber, comptez-vous de... Bien, Rebecca, voilà, c'est tout ce qui est, c'est le résumé. Pendant que vous avez joué ici, je sais pas quoi. Ah oui, d'accord. Il faut qu'on aille voir là-haut pendant qu'il nous attend ici. Tu es, ça veut dire qu'il est 8h30. Ça. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ce papier? Avis au superviseur, il est demandé de changer de voiture, voilà. Interrupteur de la porte automatique principale, dépôt, voilà. Une fois l'inspection terminée, empruntez l'échelle l'arrière du wagon restaurant, d'accord? Umbrella Corp Service d'entretien. Ouais, bizarre. Il me parle d'échelle, là, je sais pas quoi. Ok. Bon, alors, on monte là-haut. En espérant qu'on trouve quelque chose de pas mal. Genre, je sais pas, une clé, un truc comme ça. Ou une clé magnétique, là, celle qu'on voulait. Donc, oh, des balles. Ça, c'est pour moi, ça. C'est des balles. C'est de la balle. Bon, oui, donc c'est comment qu'on fait? Ah, c'est B, d'accord. Ouais, je joue avec la manette. Truc de fou. Excuse me, sir. Sir. Pour ça que je voulais pas parler. Ah, c'est horrible. Ah, c'est vraiment horrible. Oh là là, c'est dégueulasse. Coucou. Coucou. Ah non, mais attends, je rigolais, moi. Je parie que t'as plus de vie que les autres, hein, mais entendu, faut pas changer, pareil.
Hein, voilà, un mini-boss, c'est ça? Bah, j'espère que t'as pas trop de vie non plus, oh, calme-toi. C'est bon? Nickel, ça va, on est en facile, ça passe. Bon, par contre, c'est dégueulasse tout ça. Hein. Non, bah, allez, vas-y, allez. Mais oui, mais oui! Mais oui! Il lui tire dessus, mais ça la tue pas, mais non, bien sûr, mais non! Hein, ouais. Ah, je te jure. Oui, oui, je te crois, oui. Ouais. Et t'as cru que t'étais Tomb Raider, James Bond, t'es un fou, toi, hein? Are you okay? Bah oui, ça va, bah oui, elle vient de se faire bouffer avec des petits... Mais ça va, nickel. Bon, j'ai pas une aussi belle voix que... Que celui qui chante, mais... Eh ben dis donc. Bah qui est ce type? J'en sais rien, j'aimerais bien répondre à ta question, mais je pense que c'est le boss final. Que se passe-t-il? Qui contrôle ce train? Bah le train. Allez voir la locomotive. Écoutez, on va devoir faire équipe à partir de maintenant, compris? Attends, j'ai pas compris, vous pouvez répéter? Ouvrez les yeux, vous préférez y rester? Bah ouais, carrément, je préfère ça, hein, t'es ouf toi. Bon, d'accord, c'est bon, casse pas les couilles. Moindre entourloupe, je vous abats. Oui, c'est ça, ouais. T'auras même pas le temps de sortir ton flingue, il t'aura déjà pété les yeux. Donc prenez ça. Mais non, j'en ai déjà plein, t'inquiète. Bon. Si vous trouvez quelque chose, appelez-moi, d'accord. Et comment tu veux qui. Comment tu veux l'appeler? Ah ouais, d'accord. Et il a aussi une. Lui aussi, il a une. D'accord, bon. Alors, manuel du joueur 2, changer de personnage. Ouais, on peut changer de personnage. Vous pouvez alterner entre les deux personnages principaux, Rebecca et Willy, et tirer parti de leurs capacités pour progresser dans le jeu. Le personnage que vous contrôlez est désigné comme personnage principal, celui que vous ne contrôlez pas est votre partenaire. Contrôler le partenaire, en général, le partenaire se déplace tout seul, mais vous pouvez l'utiliser, utiliser le stick secondaire pour contrôler vous-même. Pour donner des instructions à votre partenaire, sélectionnez partenaire, oui, donc ça c'est dans les menus. Les deux personnages bougent indépendamment. Et en équipe, le partenaire suit. Le personnage principal, attaque, oui bon ça on s'en fout, attaque de manière automatique, le partenaire n'attaque pas. Vous pouvez aussi appuyer sur back pour alterner entre mode solo et équipe. Ah ça je savais pas ça. C'est bien ça. Ça c'est bien, appuyer sur Y depuis l'écran d'état pour changer de personnage. Dans certaines situations, vous... devrait changer de personnage pour pouvoir progresser. Lorsque votre partenaire est près de vous, ouais, franchement, on s'en fout. On peut combiner des herbes, machin. Oui, d'accord, Rebecca, oui, elle peut faire des mélanges. Oui, ça, je sais, très efficace au combat. D'accord, Billy, très d'accord. Peut pousser de gros objets. Ah, intéressant. Le personnage principal et le partenaire mourront tous les deux en cas de blessure trop importante. Gardez constamment un œil sur leur niveau de santé. Si le partenaire est attaqué dans une autre pièce, il demandera de l'aide par radio. Si vous, s'il vous appelle, allez lui porter secours. Enfin bon, voilà, tu m'as compris, on s'en fout. Hein, voilà, bon, alors, du coup... ouais, donc là, c'est plus une découverte qu'autre chose. Hein, on n'est pas trop dans l'action, là. Je pense qu'on va bientôt terminer. Ah, c'est peut-être de ça, là, l'échelle qui parlait. Il y a une échelle. Vas-y, on monte sur le toit. Je pense qu'on va bientôt se terminer, je pense. Ouais, on va pas trop tarder. Moi, ce que je trouve dommage sur ce jeu, c'est qu'ils auraient dû faire un dual screen, donc un mode coop. Ah, ils auraient dû faire un mode coop pour pouvoir jouer deux en fait sur le même écran, quoi. Ou même en ligne, hein, à deux, on met en ligne. Ah, ça aurait été pas mal. Ça aurait été vraiment pas mal, mais c'est pas possible. Malheureusement, c'est pas bon, on va te dire. Hein. Ah, de nos jours, hein, ça existe plus les jeux en coop. Hein. Voilà, c'est trop dangereux de s'approcher. Ah ouais, c'est trop dangereux, tu te fous de ma gueule. Bon, j'ai beau chercher de partout, j'ai rien trouvé, donc je pense que ça doit se passer là. Voilà, le câble d'alimentation a été déconnecté, reconnecter le câble. Non, t'es sérieux, c'est ça qu'il fallait faire. Ok, d'accord. Bon, bah voilà. On a de l'électricité. Ouah, c'est quoi ça? Oulala. Ah ouais, d'accord, et voilà. Et du coup, tu tombes. Ah, là, c'est dangereux, gna 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 gna. Bah voilà, t'es tombé, voilà, hein, c'est dangereux, voilà. Et ben voilà, on a la preuve que c'est dangereux, bah t'aurais pu descendre tranquillou. Non, toi, il faut que tu... Voilà, t'es... Enfin bon, t'as mérité ce que tu méritais, c'est tout, voilà.
T'as eu ce que tu méritais, tout simplement. Donc, alors, non, parce que tu sais, elle était là, c'est trop dangereux pour, tu sais, c'était trop dangereux, machin, il faut pas descendre, tout ça. Bah voilà, bah elle est descendue. Hop, ficelle, hein, ça. Bon, alors, donc voilà, on récupère des munitions. C'est quoi ça? Attends, il y a un truc là. Hop, c'est quoi? Ah, une clé, la clé du train. D'accord, bah ça peut servir, je suppose. Ça, c'est encore du soin que je n'ai pas besoin. Du soin que je n'ai pas besoin. Ça fait un petit rime, c'est marrant. Donc, ça, je pense que je vais l'utiliser. Au moins, ça sera fait. Voilà. Bah, utiliser, tout simplement. Nickel, on est OK. On est OK. OK. Donc, est-ce que ça fonctionne, ça? Ouais, je veux bien appeler l'ascenseur de service. Donc, ce que je vais faire, quand même... Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bah allez, vas-y, je place un objet. Bon, j'arrête. Donc, je suppose qu'on peut récupérer la clé via l'autre personne. Est-ce qu'on peut passer par là? Quelque chose est coincé dans la serrure. D'accord. La poignée ne peut pas tourner. Vous pourriez sans doute débloquer avec quelque chose de pointu. D'accord. Mais seulement, je n'ai pas quelque chose de pointu. Bon, on va changer de personnage, je suppose que ça pourra servir. Bon, moi je vous dis à tout de suite. Voilà, donc j'ai fait une petite coupure, hein, parce que ça sert à rien que je vous montre le long chemin, là. Enfin bon, c'est plus énervant qu'autre chose. Donc après on atterrit là. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ah, bah il est là le truc, d'accord. Ok, donc bah ouais, je prends l'objet. Et qu'est-ce que ça donne si je prends ça? Qu'est-ce que je peux faire avec? Qu'est-ce que je peux ouvrir? Qu'est-ce que... Donc il faut que je trouve quelque chose de pointu, apparemment. Donc je pense qu'on va... Je sais pas si... Oh, ok, c'est fermé de l'autre côté. Là, on peut ouvrir, là? Ah, d'accord, il faut quelque chose qui puisse ouvrir. Donc je pense qu'on va peut-être prendre... Ah bah attends, la clé. Mais oui, ça doit ouvrir quelque chose. Ouais, je pense que... On va ouvrir... Enfin, on va prendre quelque chose de pointu, je sais pas quoi, là, pour l'autre, là, pour Rebecca. Et puis... et puis on ouvrira... Enfin, et puis on s'arrêtera là, quoi. Bon, on ouvrira la porte et on s'arrêtera. Ouais, du coup, je me suis rendu ici pour voir un petit peu. Alors, vous avez utilisé la clé du train, nickel. Vous n'avez plus besoin de cette clé, nickel. Voilà, on la jette. Hop là, donc normalement, il devrait y avoir quelque chose de pointu là-dedans. Hein. Je vois que ça. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ou quelque chose pour ouvrir la trappe, peut-être. Quelque chose comme ça. Donc, du coup... Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ça, c'est la carte. On s'en fout, hein, voilà. Hop, enlève-moi ça. Vous avez pris l'objet carte du train, ouais. C'est quoi le bouton rouge, là? Activer. Ah, une échelle. Nickel. Juste, on va prendre ce qu'il y a là, quand même. Ça pourrait être intéressant. Hein, voilà, on passe le cachet, ça pourrait être vraiment intéressant. Et on peut prendre ça aussi, ou quoi? Ouais, je pense qu'on n'aura plus de place après. Hein. Le truc, c'est qu'il peut pas mélanger de... Il peut pas mélanger, lui, c'est ça le problème. Il y a quoi dedans? Une mallette? Ça sert à quoi, la mallette? D'accord. Donc j'ai ma aide, je sais pas à quoi ça sert. Ok, d'accord, bon. Donc là, des papiers. Son papier sur le sol. Mais non, mais ce qu'il y a en dessous, là. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Message du contrôleur, carte d'accès, comportement, comme d'habitude, je sais pas quoi. Ah, d'accord, je crois que j'ai égaré. Si c'était une clé ordinaire, quelqu'un leur apporterait, machin. Retrouver mes... tomber dessus, me le remettre. D'accord. Donc, apparemment, il y aurait quelque chose dans la mallette. Merde, il y aurait quelque chose dans la mallette. Donc, on va voir ce qu'il y a vite fait. Hop. Donc, combiner, non, examiner, voilà. Apparemment, c'est fermé. Il y a deux cavités qui semblent pouvoir contenir des objets ronds. Ah mince. Donc, il me faut quelque chose de rond maintenant. Et maintenant, qu'il m'en faut des choses. Donc, je suppose qu'il y a la carte magnétique dedans. Hein, ça m'étonnerait même pas. Donc on va monter à l'échelle voir ce qu'il y a là-haut. Je sais pas ce que c'est. Donc là il y a pas le, il y a pas ce qu'on voulait. Il y a pas le truc pointu là. Il y a pas quelque chose de pointu. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? D'accord. C'est où ici? Je sais pas, c'est bizarre, ça me dit quelque chose. Non ouais, non c'est pas ici. Je pensais que c'était. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Cinématique, c'est rien de bon ça. Ok, d'accord. On se calme. Je pense qu'on va terminer plus tôt de prévu. Ok, qu'est-ce que je fais là, moi? Ah, là, ici, il y a une porte. Ok. Bon, j'avoue que là, j'ai du mal à...
à trouver l'objet en question, je pense que ça devrait être assez rapide, j'espère. Ah, il y a quelque chose là. Mais non, pas le room service, on s'en fout, franchement. Ce qu'il y a là, c'est quoi? Ah, quelque chose de pointu. Vous pouvez transporter cet objet. Ah non, mince, je peux pas. Mince. Bon, toi, je vais devoir te laisser là. Je vais devoir te laisser là. Voilà. Et en espérant que ça reste pas n'importe quoi, nickel. Ok, ouais, ça c'est bien ça, parce que du coup, quand on laisse, t'as vu, ça met les objets par terre. Et ouais, quand on laisse les objets, maintenant ça les met par terre. C'est pas mal, hein? Enfin, ouais, enfin, maintenant. Je sais pas, je sais plus si dans le Resident Evil 0 de base, tu pouvais laisser par terre ou pas, mais en attendant, sur celui-là, tu peux quoi. Et ça, c'est pas mal. Donc, on va prendre des balles de pistolet, je pense. Ah, ça pourrait servir. Je peux pas, César. Bien entendu. Ah, balle de fusil à pompe d'ailleurs. Est-ce que je peux. Oh, le pistolet, je peux. Pistolet, je peux, donc on va vite fait prendre une balle de pistolet. Voilà. Allez, prends, merci. Voilà, intéressant. Là, il y a un placard, je vais voir ce qu'il y a dedans. Ah, bah, je peux pas, d'accord. Sympathique. Ouh, ça, par contre, ça donne envie, ça. Hein. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh non, qu'est-ce qui se passe? C'est le bruit qu'on a entendu tout à l'heure, là? Oh merde. Bah, j'aurais bien voulu avoir le fusil à pompe, finalement, tu vois? Non, mais t'es pratique quand même. Ouais, non, mais je peux aller chercher si tu veux, hein, c'est. Non, attends, je vais voir si je peux aller chercher le fusil à pompe. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ok, d'accord. Ouais, c'est parti, on est chaud, on va le combattre de ouf avec notre fusil à pompe. Vas-y, viens, viens, je t'attends, vas-y, viens, viens, viens. Viens, 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 je t'attends, viens, 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 je t'attends, viens. Mais t'as cru que tu me faisais peur là? Ah mince, oui, attends, recharge, recharge. Oh, ça fait mal! Oh! Mais t'es malade! Est-ce que je te fous des coups de patate, moi? Si je pouvais, je le ferais d'ailleurs. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Ah, ça va, on perd pas beaucoup de vie, c'est bien ça. Hop. Ah mais voilà, il faut viser vers le bas. Mais non, explose moi. J'espère que ça a pas remis ta vie à zéro, parce que sinon je t'explose, ben. J'espère que ça a pas remis ta vie au complet, parce que sinon. Voilà, comme ça qu'on fait. Non 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 non, ça fait mal, ça fait mal. Arrête, arrête, s'il te plaît, franchement, c'est pas drôle. C'est bon? Putain, mais tu meurs jamais toi. C'est bon? Oh, tu vas mourir, oui. Vas-y, approche, approche, je te défonce. Oh, j'ai plus de balles. Non, déjà? Ah, ça va aller trop vite! On va prendre ça. Hop. Vas-y, ça le touche pas là. Ah, mais il est mort? D'accord, ok. Bon, pourquoi pas. Voilà, bah ça c'est fait. Nickel. Bien sûr, on le traverse, hein, c'est normal. Ah, ça va nous servir ça. Ça va nous servir ça. D'ailleurs, il faut que je laisse. Bah attends. Donc, voilà ce que j'ai fait, c'est que j'ai reposé mon fusil à pompe et j'ai repris. J'ai pris un spray et puis la manette. Voilà. Parce que j'avais posé la manette pour pouvoir prendre. Enfin, la plante rouge, tout ça, la manette, tout ça, j'y avais posé pour justement pouvoir récupérer le fusil à pompe et les munitions. Donc, placer un objet ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais placer l'objet pointu. Et puis on va s'arrêter là, on va ouvrir la porte et puis on s'arrêtera là. Donc la prochaine fois, eh ben, on continuera un petit peu plus loin, hein, voilà. Donc hop, on appuie sur le bouton, nickel. Et donc du coup aussi, bah, j'ai la fameuse chose là pour ouvrir ça. Hop, c'est un panneau d'accès, nanana. Oui, bah je peux l'ouvrir, non, avec ça. Utiliser? Ouais? D'accord. T'aurais pas pu le faire à la main? Ouais. Wow, t'aurais pu faire peut-être à la main quand même, non? Voilà, donc ça c'est fait. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, ok. Donc du coup, on va changer de personnage et puis après on va s'arrêter là. Tout simplement, on va récupérer notre petit objet pointu. Voilà. Hop, on récupère le petit objet. Voilà, donc pic à glace. C'est un pic à glace. Nickel. Et là, normalement, ça doit le faire. Chargement qui est quand même un petit. Ouais, c'est petit problème. Les chargements ils sont un petit peu longs. C'est dommage. Mais bon. Quelque chose est coincé dans la serrure. Oui, ça je savais déjà. Ah d'accord, tu pourrais pas l'utiliser. Non, faut que je me fâche à l'utiliser, bien entendu. Donc, utilisez-moi ça. Nickel. Donc du coup, ça nous fait 3 sprays. T'imagines, on a 3 sprays, mon gars. J'en ai 2 avec elle et 1 avec l'autre. La poignée de porte est débloquée. Ouais, youpi, youpi. Bon, on va s'arrêter là. Hein. Voilà, donc on s'est fait plaisir, n'empêche. Hein. Ah non, il faut sauvegarder. Il faut sauvegarder. Est-ce qu'il y a un moyen de sauvegarder assez rapidement? Attends, toi, déjà, tu vas pas trouver. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a moyen de sauvegarder? Hop, 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 calme-toi, toi. Il n'y a pas moyen de sauvegarder là-bas. Est-ce qu'il y a moyen de sauvegarder en bas? En fait, on est sorti juste pour sortir de là, en fait. Il n'y a rien de spécial ici. Bon, c'est pas grave. De toute façon, après, on est là où je pense. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une sauvegarde vers là? Ici, il n'y en a pas de sauvegarde ici, hein. Ah là 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 là.
Bon, vous savez quoi? On va faire une coupure, ça sera plus simple, voilà. Parce que, bon, voilà. Il y en avait une à un endroit, je savais où elle était, mais... Bon, c'était un peu loin, du coup. Voilà, je préférais faire une coupure, donc on va sauvegarder. On va juste prendre l'encre. Parce que normalement, on a de la place, ouais, nickel. Donc, voilà, on va sauvegarder ça. Petite sauvegarde. Hop, on peut pas? Oh, vas-y, vas-y. Ouais. Une machine à écrire, machin, enregistrer des données, oui. Ce qu'on va faire, voilà, donc on enregistre machin. Voilà, donc on va enregistrer. Ça, c'était des anciennes données, ça. Hein. Donc, écraser les données, sauvegarder, ouais. Donc, sauvegarder le contenu en cours, ne pas éteindre le PC. Sauvegarde réussie. Ouais, youpi. Du coup, on pourra revenir là. Youpi, youpi. Voilà, donc, première sauvegarde, compartiment. Nickel. Et bah voilà. Donc, bah franchement, ça fait plaisir, hein. On va pas se le cacher. On va juste faire un truc, hein. Ah bah, ouais, non, ça sert à rien. Mais bon, voilà. La prochaine fois, on laissera ça tomber. Bam. Voilà, donc, du coup, on va s'arrêter là. Franchement, on est plutôt bien. Donc, pour aller sur Billy, hein, il faut aller là-haut, partenaire. Voilà, donc là-haut, là, et ben, hop, tu vas sur partenaire et puis tu peux changer tout ça. Voilà, bon. Donc, du coup, on est plutôt bien. Moi, je vais essayer sur ce. Voilà, donc la prochaine fois, on continuera cette fameuse histoire. On verra bien ce que ça donne. On essaiera de terminer les jeux assez facilement. Voilà, j'essaierai de pas non plus jouer trop longtemps à chaque fois. À chaque fois que j'aurai du mal à trouver des choses, bah je ferai des coupures, ça sera plus simple, ça sera moins ennuyeux, et puis voilà. Donc du coup, moi, je vais aussi sur ce, je vais vous dire à une prochaine vidéo, je vais vous dire ciao, et puis je suis très fatigué. Ah bah ouais, c'était chaud là, hein. Franchement, j'ai dû vraiment me rattraper sur mes vidéos, donc... ah, franchement, il est... Je vais te dire ça, il est... Il est 9h03 du matin. Normalement, je devrais être à mon code en plus. Hein. Mais bon, c'est pas grave, ils vont pas pleurer. Tant que j'apprends, c'est déjà ça. Donc du coup, moi, je vais vous laisser sur ce. Je vais vous dire dans la prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao. Et puis n'oubliez pas, restez cool !